Salutations YouTube, nous sommes de retour. Ce jeu extraordinaire, Blasphemous. On a battu le premier boss, le premier visage. Hein. On a trois visages à récupérer. Ça va peut-être être notre objectif. La souris, c'est chez vous. Ça va peut-être être notre premier objectif pour cette soirée. Vu que demain, j'ai un rendez-vous d'affaires. Le son est vachement fort d'un coup ? Mais non. Le son, c'est chez vous. Hein. Si le son est fort, baissez le son. Mettez-le à zéro. C'est éteignez l'écran. Ok, alors. Très bien. Alors on en est où, on en est où là? Évidemment qu'il y avait un Walligator. Là, le problème c'est que j'ai le pouvoir qui me permet d'attaquer vite. L'attaque speed up. Je n'ai pas l'AOE. Je peux marcher dessus, ok bon. C'était un non-événement. Évidemment. Blessed are the eyes that with devotion see my tormented heart. Let the ones who are joyful in affliction and fasting come to me, for they are pleasant penance. Six sting pains lance my flowery breast. Take the first one and purge one of your six mortal stains of the soul. Et paf! Voilà. Voilà pourquoi la chaîne, elle est mature content only. Parce que certes, c'est immature. Certes, quand on lit certaines blagues, on se croirait, on s'en trahirait. Mais voilà, des fois, y a un téton et du sang. Alors. Ok. Très bien. Non mais ça va être chiant. Non c'est bon, je passe. Hein. C'est une promenade de sang. Oula. Et il donne 0 XP en plus, c'est ça? Les villes gueux. Mais quel connard. Merci à tous. Attendez la carte, là un coup de carte. Ok, ok. Ah mais il y a moyen de rejoindre, oui, on va essayer de rejoindre. Ah mais c'est tentant d'aller par là aussi. Ok. C'est quoi, juste il réinvoquait l'autre idiot qui est là-bas? C'est pas terrible ton pouvoir. Oui, la relique anti-poison. Ah oui, que j'ai pas pris. Par contre, j'aurais dû aller à gauche finalement. Oh là là, je sais pas ce que j'aurais dû faire. Ah mais ça va, j'ai pas de sbire là, c'est de l'eau. Hein ? Il y a l'invocateur de ses morts, il m'en met partout. Mais quel coup. One shot donc. Il va très bien. En plus, si je veux récupérer mon truc, faut que j'aille. Oh là là. Ah oui. C'est terrible cette histoire là. Mais je suis pas allé prendre ça, idiot. Okay.
Allez, la musique est cool. Hein. Ouais, pour l'instant, hein, niveau musique et DA, hein, c'est très, très satisfaisant. Ok. Bon, je vais aller voir là. Je veux le savoir. D'accord, poison. Poison, j'en prends plein le cul. Donc faut que j'aille acheter l'amulette de Micheline. Chut. À moins que si je fasse un dash, ça dissipe le poison. Mais non mais... Je suis pas mort. Quel con. Comment j'ai pu... Je peux m'énerver. Bravo. Ah si, je vais essayer de récupérer mes trucs. Ah mais si je meurs là, je vais être jugé, oui. Et l'autre, il prend rien. Eh ben, c'est dégueulasse. Ah oui, d'accord. Ça, c'était bouché il y a très longtemps. A long time ago. Et ça, c'est la marchande de mort où je vais pouvoir acheter le truc pour anti-poison. C'est bien fait. C'est bien pensé. What I am on may my eyes. Attendez, mais peuvent protéger contre les toxines. Je vais l'acheter, je pense que je me suis fait surbaiser. Ou pas. Mon avis. À mon avis, c'est pas dingue. Allez, je vais faire le faible. Je vais prendre la recharge de vie. Mais attendez, la fiole de Bill que j'ai trouvée là, ça me sert à rien. Je suis deg. En anglais, ça protège contre les toxines à un certain point. D'accord. Ça, ça va. Merci, Masudo. Merci, Eteldan, pour le sub. Noiram, tête de daron. Chichigolo. Stebeze Kito, Zori, merci. Merci pour tous vos subs, bien sûr. Vous êtes trop. Merci, Poulet Robot, pour le siècle. Ah oui, c'est vrai que j'ai une clé depuis le début, là. Et c'était pour là, non? Non, je sais plus. Quelque part. Hôtel de Mea Culpa, oui, d'accord. Au début, on avait cette porte fermée, là. Ok. Ni 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 ni. La fiole que j'avais trouvée était un objet de quête. Ouais, visiblement. Ouais. Merci. Alors. Lui il dissipe pas, le dash ça fait rien. Ok. Oui, mon anti-poison c'était du flan ou pas?
Ah, je prends cher, mais moi. Mais je prends quand même, hein. Le nuage qu'on voyait, c'était du poison, ouais. Je prenais des dégâts là, au fur et à mesure. De manière régulière, ça, je veux dire. Plutôt. Ah merde, d'accord. Prenons la base. Oh là là, nos réflexes. Ah putain, j'avais le finisher. Un jour, je finirai le mec avec Y, je vous jure. C'est un de nos défis également pour cette VOD. Mon avis, à droite, c'est insane. Non, c'est pas grave, allez. Une semaine d'économie pour sortir ce message important. Putain, les points gamers, hein. Incroyable. J'ai fini le chapitre... Non, j'ai pas fini le chapitre 9 hier soir. Je verrai quand je le ferai. Il faut que je recut toute la vidéo, parce qu'elle est imbuvable. Bientôt une vidéo sur YouTube, une vidéo de 5 minutes du chapitre 9 de Céleste. Mon top 5 des morts. Top 5 de ses morts. Ouais, ce serait pas mal. Mister MV, top 5 de ses morts. Vous aimez ça, les tops? C'est ce qui fonctionne, non? Des millions de vues assurées. Mais qu'est-ce... Ça se passe toujours mal dans le jeu, hein. Ah, d'accord, on peut même pas y parler. Bon, j'achève, voilà, je l'achève parce que je suis pas un monstre. Évidemment que ça se... Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous font, eux? Oh, j'ai pas aimé. J'ai ni compris, ni aimé. Non mais quel con. Ça je peux pas le parer, on est d'accord, hein. Je crois, j'en suis quasiment sûr, donc je vais pas réessayer. Okay. Eh bien on s'aventure toujours plus loin, vers l'inconnu. Je peux pas dasher. Je le saurai maintenant. Ok. Ah, il faudrait que je réutilise mes pouvoirs. Pour l'instant, j'ai juste le pouvoir de... J'ai activé le pouvoir de... Du dash. Attaque de merde. Ça, je peux le changer à n'importe quel moment, ouais, ok. Donc je remets le pouvoir
de la boule de feu qui se colle au mur là. Attention, c'est friable en bas. C'est dégueulasse. Okay. Très bien. Qui fait son éclair. What? Hein? Ok, 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 ok. Eh bien, je suis mort. Je l'ai pas vu venir celui-là. Je sais pas s'il y avait l'indication ou si juste fallait pas être au corps à corps. Ok. Dommage. Mais en vrai, les pouvoirs, c'est tellement la misère hein, pour les utiliser et tout. Y a jamais vraiment le temps. C'est pas dingue. Faudrait que je trouve un truc similaire à la boule de feu dans Hollow Knight. Demon's Crest. Ah, Mintos, voilà. Les vraies références. Demon's Crest, meilleur jeu. Hein. Oh merde, j'ai pas ce qu'il faut. Putain, j'ai pas ce qu'il faut pour me lancer mon pouvoir, je suis deg. Merde, je croyais que j'étais sur le boss. Hein, pour... Oh merde! Fallait le battre la première fois? Je l'ai pas battu, j'ai plus le droit? Oh non! Non! Oh, j'aurais pu le faire en plus. Si j'avais été plus attentif tout de suite. Donc j'avais voulu moins bourrer à travers. Oh penitent one, we traverse strange roads under the same firmament. With nigh other trade, nigh other name. My name is Redento, barefoot pilgrim of the order of the genuflectors. Prithee taketh nigh affront in my not looking at. Point ne m'en veuillez si je ne vous mire la face. So as not to divert our eyes from the path. Such is our. Énorme putain, on dirait le mail que j'ai envoyé aux Russes. We are before Hondo, a great buried bell, erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands.
Now Hondo resoundeth in a deep triune moan that traveleth in echoes through its broad circles. Ah, le passé simple. C'était à l'époque de Spin Nimp, mon émission de speedrun où je calais un maximum de passés simples à chaque fois. My feet wish to cross to the other side of this ancient valley to move on to the next destination. Oh, my sins! Who could help me? Putain. Toujours plus loin. Ah, ça me perturbe, l'autre con, là. J'ai pas envie de savoir. Attendez. Oui. Bah je sais. Oh, forcément. Petit bâtard. Mais. Ah, c'est lui qui déclenchait tout. Ok. C'est sa cloche qui déclenchait les autres. Ok. J'ai eu un doute un moment, mais je suis content de savoir que c'est ça. Chez. L'omoplate de Carlos, le bourreau. Énorme. Ah, je peux juste faire ça, c'est ok. Non mais ça là. Eh mais ça. Ah non, ça c'est obligé d'avoir un truc, un double jump ou la possibilité de rebondir sur les ennemis. Wouah! Oh putain, je vais le refaire. Sous vos yeux ébahis, je vais le refaire. Et je vais out of bounds à la fin du jeu. Attendez. Merde. Sous vos yeux ébahis, c'est parti. Ah non. Bon, j'arrête. J'adore les glitches, hein, vous le savez. Oh là là, quel enfer. Il est où, Jean Michemuche? Je suis baisé parce que je peux plus remonter, c'est ça? Non, c'est bon. Je vais y m'énerver très fort. Oh! Mais il peut pas s'accrocher quand il met son coup d'épée de mort. Oh! Oui, on ne pouvait pas. J'aurais juré, mais non. Oh, petit bâtard! Il a failli m'avoir, ce Gagman. Mais non, je peux pas ouvrir. Si. C'est du génie. Ok, marrant. On peut aller en bas, j'imagine que c'est la fin de salle. Et là, c'est quoi? Ah oui, quand même, ouvrons le shortcut. De grâce.
Ok. On est là. C'est quoi cette grande chaîne derrière? Je peux m'énerver. De ces plateformes de mort. Étrange. Aveugle man, qu'est-ce qu'il y a? Oui, si, j'ai vu la cloche derrière, mais... Ok. Quel con. Oh. Il sort, tombe. Mais grand Dieu. Oh là là. Oh la douleur. Et je vais être sûr, hein. Je suis un génie, hein. Est-ce qu'être aussi con finalement, ça relève pas un peu du génie? Oh. Oh, ça fait tellement mal en plus, quel plaisir. La vertèbre de Jean. C'était tellement évident. Comment j'ai pas pu m'en douter? Ah mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai le droit de revenir 850 ans en arrière. Ah oui d'accord, c'est ce que vous disiez, j'ai loupé un point de sauvegarde. Ouais mais c'est bon. Ce qui fait plaisir, c'est le voyage, pas la destination. Ma vie est nulle. Je voulais y mettre ça. Il est hors de question qu'on commence là-dessus. Hein. On va pas commencer sur ces bases. Je suis obligé de les tuer, pas du tout. Sauf qu'il faut que je fasse vite, sinon il va me faire tomber, voilà, avec sa cloche. Dommage. Ok. C'est bon, donc je la raffronterai plus jamais, lui, hein. La baiserie est incroyable. Ah, le casque, c'est un ATH M50X ou M50 tout court, je sais plus. Putain, mais lui, à chaque fois j'arrive, il me montre son fion. C'est perturbant. Ouais. Ah oui. C'est reparti pour un petit peu d'enfer. Je suis pas vénère. Je suis pas vénère.
m'en suis pas pris plein le fion. Oui, c'est bien ça. Faut pas tuer tous les mecs accrochés pour faire l'offrande, mais je pouvais pas interagir avec eux, ceux-là. Ok. On en gagne la vie qu'au checkpoint, oui. On n'a pas encore trouvé de recharge de vie éphémère, il me semble. Je m'étais dit que j'allais enfin essayer de mettre la charge, mais c'est vraiment trop lent. C'est intolérable, c'est honteux. Attention, tout de suite un drame. Mais attendez, je l'ai pas loupé encore. Non. Si ? Ah, c'est derrière. Ah si, c'était forcément en haut, ok. Y a pas, je pensais qu'on la rejoignait de la gauche aussi. Allez, c'est pour votre plus grand plaisir. Ah oui, mais du coup... Sombre con. Par contre, je prends mon raccourci derrière, parce qu'il faut pas déconner. Oui, c'est le checkpoint qui fait respawn, c'est les feux de camp de... Dark Souls, c'est mort. C'est où que je suis mort comme un caca? C'est après. Ici. Toujours pas de fatality. Mais les fatalities, en fait, c'est circonstanciel. Il faut, c'est seulement après un contre. Et il faut avoir mis, du coup, le nombre acceptable de coups d'épée avant pour qu'elle soit pile poil, qu'il ait pile poil peu. Pile poil la vie pour lui mettre. Ok. Oh, putain, mais il y en a un autre qui fout la merde. Mais attendez, mais c'est pas là que je suis mort. C'est pas grave. Il est con quoi. Okay. Ouais, le problème c'est que ces mecs qui font de la cloche là, ils me font tomber de la plateforme. Quand ils tapent le mur. Ah oui, je suis mort. Ah, il y avait de la culpabilité, il y a un truc de culpabilité. Je suis mort ici, ouais. Je suis mort à gauche. Moi je vais là. Mais c'est super casse-couille. Est-ce que je peux les parer? La réponse tout de suite. Ah d'accord. Tout simplement. Mais là je vais me faire baiser par le... Voilà lui, exactement. C'est bon. Idiot. Tomber de la plateforme et il ne veut pas faire Baesso ici. Mais je vais pas m'énerver. Si. J'ai spammé comme un con et du coup je suis comme un con. Ok. Qu'est-ce que je trouve? La vertèbre de Lindquist le forgeron. Alors évidemment, hein, si vous êtes fan de lore, vous pouvez évidemment... connaître l'histoire, hein, de tout ceci. Moi, par exemple, si j'ai envie de comprendre l'histoire de... Qu'est-ce qui est arrivé à Carlos le bourreau? Pourquoi je retrouve son omoplate? Je peux le savoir. Sa haine des humains le disputait à son amour des animaux. Lorsqu'on lui ordonna d'exécuter un chien,
qui avait mordu un évêque, Carlos refusa, pour la première et dernière fois. C'est parce qu'il a pas voulu tuer un chien. Mais ça, c'est ce qu'on appelle être le roi des connards, j'en conviens. Putain, quel enfer. Le bouquet de romarin. Bouquet d'herbes aromatiques courantes il y a peu dans la forêt du Sentier Sacré. Mais aujourd'hui, leur rareté les rend de plus en plus précieux, surtout pour ceux qui connaissent leurs propriétés curatives. C'est vrai que toutes ces conneries-là... Je dois les ramener à... au médecin là. Les médecins du début. Et comment ça se passe pour... D'accord. Faudrait que je retourne au début, mais j'ai pas trouvé de téléporteur encore. Y a-t-il des power-ups dans le jeu? Oui. Il y en a moult. Est-ce qu'on a les perles de rosaire là? Pour l'instant, je peux en mettre que deux parce qu'il faut que je fasse... Je trouve des nœuds pour... ouvrir plus de slots, et il y a beaucoup, vous voyez qu'il y a beaucoup de slots pour ces trucs de merde, ces perles. Il y a les reliques derrière, on n'a pas encore, on sait pas encore ce que c'est. Les cœurs de mea culpa, donc oui, qui me donne un buff particulier. Les prières qui sont les attaques spéciales, plus l'arbre de compétences. Au secours. Ah d'ailleurs, est-ce que je débloquerai pas mon quatrième combo? Pénitent profite de l'élan de l'esquive pour enchaîner, déchaîner mea culpa sur les ennemis prisonniers. Maintenez X en esquivant. Ah, c'est bien ça aussi. Je prends mon quatrième combo parce que je suis un gamer. Ah, mais je peux tout prendre là. Ah, débloque-le, connard. Ah oui, non, mais je suis obligé de le faire à un hôtel. Ah non, mais je suis con. Oui, il faut que j'en monte là. J'ai tout fait. En haut. Oh là là. Au secours. Au secours, au secours, au secours. Pas vénère. Ok. Merci Bloody Lefissan pour 500 bitcoins. Tout l'a déjà fait ce jeu sûrement. Entre l'encens à l'ail et le bouquet de romarin, on va avoir de quoi faire un bon petit poulet à provençal. Un petit poulet à provençal. MV ne garde pas toutes ses rediffs. Pour garder toutes ses rediffs, il faut faire des highlights en fait, des moments forts de l'intégralité de ses vidéos. Sinon, elle ne reste en effet que 3 mois en ligne. Il se trouve que j'ai pas que ça à foutre. Mais bon, il y a quasiment tout sur YouTube. Hein. Je préfère une OP sur un mauvais jeu ou jouer à un bon jeu bénévolement. Je préfère jouer à un bon jeu bénévolement. De toute façon, les OPSP que j'ai acceptés, en vrai, à part quand c'était du schnapps avec des potes parfois, ou des trucs absolument délirants comme PUBG, commenter du PUBG Mobile en anglais, c'est des jeux cool. Maintenant, on me propose des OP sur des jeux cool. Quand on me propose de faire Borderlands, Total War, Three Kingdoms, Catherine,
etc, etc. C'est plutôt cool, quoi. Mais il a hésité parce que j'hésitais à dire ni l'un ni l'autre, parce qu'au final, c'est possible d'avoir les deux. Mais non, je préfère jouer à un jeu cool, bien sûr. C'est pas aujourd'hui, Catherine, non, parce que il faut que j'attende la validation. Parce qu'ils m'ont proposé un prix que même Mintos aurait refusé. Enfin non, peut-être que Mintos aurait accepté. Salut Mintos. Mais du coup, je leur ai dit non, mais quand même, bordel de merde, vous savez qui je suis ? Et je leur ai envoyé mes avocats et j'ai doublé le prix. Ok. Catherine full body, tout à fait. Mintos, il l'a dit, durant Sardou Valley, même 10€, c'est ok. T'as des 10€, j'en ai plein, hein. Imagine Mintos. Putain, le pauvre Mintos à chaque fois. Non mais Mintos, imagine. Oh ! Imagine ta rediff de Sardou Valley. Si tu gères ta chaîne YouTube. Ok, je sais ce que j'ai à faire. Faut juste pas que je me chie dessus. Spoiler, c'est mort. Mais il est con ! Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a pas sauté à droite ? Je le déteste. Oui, tu fais ta chaîne YouTube, tu sors ta rediff de Sardou Valley, et là, à ce moment-là, tu peux du coup faire des vidéos genre hey, salut, c'est Mintos ! Tout de suite, le replay de Sardou Valley, c'est excellent. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends, mais on en parle dans 2 minutes. Et puis là, on commence à s'engueuler et cueillir des panais pourri, et ensuite voilà, et ensuite tu fais tourner une vidéo au bout, tu tritures ton téléphone, là tu fais comme ça, tu fais wow super, putain mais ce jeu il est délirant, c'est génial, et parce qu'il te demande, quand même des images de toi en train de jouer au jeu, hein, d'accord. Voilà, tu fais ça, 45 secondes, tu dis que le jeu est génial, tu lis le cahier des charges, genre on peut acheter ci, ça dans le jeu, on peut faire ci, machin, et c'est parti. Bon alors le problème c'est que ta chaîne YouTube est en développement. Parce que, attends, ils disaient combien les Russes ? Ils payaient combien ? Ils payaient 1000€ par 100 000 vues. C'était ça un peu le... Mais putain, c'est... Ok, je vais faire ça, j'en ai marre. C'était ça leur barème un peu. C'est pour ça que quand j'ai demandé 20 000 et qu'ils m'ont dit 2 000, j'ai vastement ignoré le mail. Mon ligne n'est pas au point, Xavier, hein, je sais. Il faudra bosser sur la chaîne YouTube, Mintos. Il faudrait que tu viennes faire un stage. Si on avait monté le projet Creuse à l'époque, on aurait pu faire tout ça ensemble. Oh merde, 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 merde. Ok, ça passe. Ça passait peut-être que si je sautais au bout du bout. Mais vu que quand j'essaie de sauter au bout du bout, je tombe. Ah, dans ma tête, ça passait, hein. Mais tranquille en plus, hein. Ah mais attendez, c'était quoi ? On en a quelque chose à foutre ou pas ? C'était juste le délire de culpa ? C'est en tout cas... Mais deux fois c'est culpa, culpabilité, ça sert à quelque chose ? Ah oui non, c'est le confesseur. Le confesseur c'est 0/3, c'est juste pour récupérer sa jauge de vie. La culpabilité c'est des vrais trucs, c'est des vrais objectifs. Je dois le faire ça. La culpabilité, c'est juste les trucs là où je suis mort. Ah oui, d'accord. Donc je sais pas ce qu'il y avait tout à droite. Mais si, il y avait cette statue. Cette statue, elle me donnait un objet. D'accord, ok, autant pour moi. Ah, mais... Passe un bon moment, en tout cas. Ok.
Ok, donc c'est juste mes, ouais, mes fantômes, entre guillemets. Attendez, j'ai en bas, mais c'est bien ça que je dois faire ? Oui. Putain, mais ça passait mille fois, quoi. De toute façon, j'ai ouvert les raccourcis, donc en vrai, ça va. Ah ! J'avais plutôt bien foutu de ce côté-là. Attends, mais celui-là, je l'ai ouvert ? Oui, aussi. J'ai tout ouvert. Merci à tous. D'accord, ok, bah c'est plutôt sympa en vrai. Donc c'est pour ça, on peut se retrouver avec sa jauge à zéro, mais il suffit d'aller de se lancer dans une quête pour retrouver tous ses fantômes et c'est ok. Pour l'instant c'est pas dramatique parce que ma jauge de mana je m'en sers quasiment pas quoi. Vu que les deux pouvoirs que j'ai, je les trouve relativement médiocres. On va essayer de se le faire en une fois, ça va mal se passer. Merci Speed Hush pour le sub, merci Flyguard pour les 3 siècles. Merci Bloody Luffy San pour les 500 bitcoins. Et DJ Vidi qui a offert un sub. Merci. Merci à tous. Vas-y. Oh le ouf. Vas-y, continue, t'es bien là. Ça passe. Okay. Alors, le cœur de la Sainte Purge. My body is ready. Ah oui, c'est ça. Et là, j'ai ça d'équiper, ça renforce ma parade et augmente sa durée. Tandis que si j'équipe celui-là, mais ça, là aussi, il faut que je sois en terre consacrée. Peut s'enchasser dans mea culpa, ok. Augmente les larmes d'expiation recueillies, mais empêche d'utiliser les flacons de bile. D'accord, je peux pas utiliser mes potions, mais je gagne plus d'XP avec ça. Ouais, génial. Donc je me suis cassé le cul pour avoir un objet d'XP, quoi. Alors évidemment que je pourrais mourir, mais j'ai pas envie de récupérer mon fantôme ici un jour. J'aimerais éviter. Oh yeah, yeah, yeah. Ah. Ok. Ah oui, pour XP près d'un safe spot, en effet, ça peut être bien. Ok, je vais retourner à là où j'étais mort précédemment. Je sais plus comment déjà. C'était ridicule ça, j'en suis sûr. Aucun doute là-dessus. Il faut que je repasse par le haut visiblement. Ah oui, c'est... Ah mais si je force à mort. Non ? Non. J'ai essayé d'être un forceur. Oui, il faut juste briser les chaînes. Et merde. Mon match-up, hein. Non mais c'est sérieux là ? Putain, tout ce que j'ai perdu quoi sur les sbires. Petite potion. Ok, donc c'est là. Oh non, oui. C'était atroce. Ok, ça commence. Mais putain, mais qui ? Ah mais je peux faire ça. Je me suis gouré de boutons. Je me gourde de boutons alors que j'en ai qu'un. Et je peux pas enchaîner les parades. Et je vais mourir encore comme un caca humain. Mais le problème c'est qu'il y avait des pics en dessous, c'est ça? Oui, ah non, je me souviens. Oui, tout est clair.
Non mais je suis sérieux, je suis... Oh, j'ai plus de vie, j'ai un de vie. Mais putain, je voulais faire l'attaque vers le bas, il me fait ça. Oh oui. Je suis dégoûté. Ah, ça me redonne de la vie, alléluia. J'ai jamais ouvert là-bas. Je suis jamais allé à gauche, j'avais possibilité d'aller à gauche. Putain, j'aurais pu m'ouvrir un raccourci là. Hein ? Oh non, ok. Encore un flacon de bile vide. Quel plaisir. Nice. Ça fait un s'il te plaît cloche. Ça dépend pas tout je crois. Bile du big deal, yes. Ok, encore une chaîne là. J'ai essayé de parer alors qu'on peut pas le parer, lui il faut le dash. Je suis mal, je suis dans le mal. Donc je peux me je peux me faire mal avec ces cloches là que j'ai déclenchées moi-même. Non, parce que j'avais bien compris que pour ouvrir le passage, il fallait qu'il y ait la cloche de mort. Mais à ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Énorme. Énorme, énorme. On rigole, hein. C'est bien. C'est essentiel, après tout. Et la plateforme, là, en bas à gauche, elle existe ou pas? Attendez, c'était quoi déjà le bail? Pourquoi il n'y a rien qui part? Mais qu'il touche à son zboob. En l'occurrence, ça va être compliqué, mais... Hop là. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais chier à faire ça? Ça le tue pas, lui. Tout ça pour me retrouver là, bravo Levo. Voter. Bon, j'y retourne. Putain, mais quel sac à merde. Mais il est sérieux ? Bordel de merde. Ok. Désolé, je m'énerve un peu. C'est un Metroidvania, tout à fait. Hop là. Putain, mais cette mort, j'en reviens pas. C'était tellement impressionnant. Et ce raccourci que j'ai pas ouvert, ça c'est... Voilà. C'est un raccourci, c'est un petit shortcut que j'ai trouvé. Okay. Attendez, attention, je vais regretter ce choix. Si j'arrive, je suis dans le timing. C'est pas possible, le jeu il peut pas être aussi rincé.
Attention, j'ai tenté un truc. Ah oui, c'est un quel mort. C'est assez impressionnant en fait. Putain de merde de chiottes. Mais... la science du timing. Ça s'invente pas. Hein. D'accord, le haut s'il vous plaît. Merci. Je peux m'énerver. Ok. T'as cette charge qu'on n'a jamais utilisée, hein. Remember, always remember. Never forget, exactement. Deux secondes. Il y a une salle de sauvegarde, je la prends. Oh là là. Oui, 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 bien sûr qu'il y a des plateformes free. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Anecdotique pour un gamer tel que moi. Il y a un cupidon là. C'est jouable ou pas? C'est pas compliqué hein. Plus tard. Ah, peut-être là? Quoique non, collé à l'autre, ça serait bizarre. Des raccourcis. Oh si, j'ai dit oui. Ah ouais, ça on connaît. Ah et du coup, je vais... Attendez. Oui, bah non. Je vais faire comme ça, je vais quand même le faire de manière conventionnelle. C'est bien foutu, c'est bien foutu. Les règles sont respectées. On ouvre très très souvent des raccourcis. Ce qui permet d'avoir l'impression d'avancer, même quand on n'avance pas. Qu'on s'ouvre juste des raccourcis. Et du coup j'ai... Ouais mais tout a respawn. Eh oui. Car l'avantage c'est que... je peux changer de salle à l'infini, contrairement à Hollow Knight. Et comme Dark Souls. Tant qu'il n'y a pas le bonfire d'activer, les salles restent vides. Les power-ups. Ah oui, merde, je voulais changer de power-up. Tant pis. Salut, Virushana. Merci, The B01 Gamer. Dazzle. J'ai chaud. Pourquoi j'ai pas... Ah si, mais il est faible. Je vais mourir. Je vais mourir. La mourir. Ah, j'ai mal au bras, j'ai mal partout. Ah, la vieillesse, hein. Vieillissez pas, hein. Non, non, attendez, non. Si, si, vieillissez, vieillissez. Ah oui, ça c'est un gros raccourci pour le coup. Ah mais si, les âmes en stock, oui, c'est ça que je dois faire absolument, idiot. Ah désolé. Ah non, mais oui, bien sûr. Parce que oui, en effet, les reliques, je m'en fous, mais ouais, l'arbre de compétence, l'arbre de compétence, bordel. Non mais... Ah! Je vais te calmer direct.
Alors, inventaire. Et donc... Ah non, moi je m'en fous de l'XP là. Ce qui m'intéresse c'est ça, voilà. Hein ? Ah mais non, mais putain, et je me suis fait bait. Parce que c'est pas ici. C'est l'hôtel de Mea Culpa. C'est l'hôtel de Mea Culpa, l'Indéas, mon sbire, l'épée. C'est au début, c'est pas ici. Abruti. Abruti. Ah oui, le vieux, on va pouvoir faire traverser le vieux. Mais d'abord, l'échec. Avec l'extraterrestre vert. Ah, Abe, l'Odyssée d'Abe. J'imagine que tu parles de l'Odyssée d'Abe. The Odd World. Oula. Alors. Putain, mais il part, salaud. Attention, vous êtes prêts, ça va mal se passer. Tout de suite, une démo. Hein ? Mais non ! Donnez-moi ça ! Bon, c'est peut-être le vieux qui va m'aider. Alors Michel. Oh, thou art the answer to my prayer. It is of little use for me to remain here. Le quatrième orteil de grès. It is of little. Mais c'est tout. Ah mais par contre là je commence à en avoir pas mal. Donc à mon avis si je le ramène à la salle des subs, il faudrait vraiment que je trouve un moyen de retourner au début. Il y a un moyen de retourner au début. Putain, j'ai dû louper un truc. Tout ça pour un doigt de pied. Un objet de quête ? Ah, c'est un objet de quête, là ? Ah non, non, son orteil, c'est un putain de... C'est la collection, non ? Ah oui, non, je dis de la merde. Merci à tous. Il est où, son orteil ? Pourquoi il est pas là non plus ? Il est où ? Ah, non, ok ! C'est une perle ! Un orteil de la statue du premier pèlerin au pied nu, le quatrième orteil... portait le souvenir de son partenaire afin de ne pas oublier les époques meilleures. Réduit le temps de recharge de l'esquive. Ah, pour pouvoir chain dash. Ah, le truc des toxines, j'en ai pas besoin pour l'instant. Tu vois ? Ouais, bon, j'imagine que c'est plus rapide. C'est discret en tout cas. La cloche que t'as libérée des deux chaînes. Quoi, y avait pas une chaîne en plus ? Attendez, j'ai pas fini. J'ai du unfinished business. Je vous rappelle qu'on a trouvé une salle de boss. Hein. Ça ressemblait à une salle de boss. Et puis, on a encore des trucs à visiter par là. Nous revoilà ici. Il y a un truc en bas là. Oh le sale bail, ils sont deux. Oh le sale bail. Mais même si je les tue, comment je vais là ?
Code créateur Mister MV est fonctionnel, oui. Je touche pas d'argent parce qu'il faut que je mette des trucs à jour, mais il est fonctionnel. On voit là, il y a ça là, vous voyez? Ça scintille un petit peu là. Des petits feux follets. Oh! Il y a l'UY. Attendez, tout de suite, je l'attrape. Oh, comment j'ai arnaqué le jeu! Il fallait sauter, faire une attaque vers l'avant et appuyer sur Y. Une épice rare et parfumée, venue de terres lointaines. Les caravanes marchandes ont cessé il y a longtemps d'emprunter ces routes pierreuses, ce qui en fait un article d'une grande rareté. Par le passé, c'était une épice très prisée dans les cataplasmes et les baumes. Ok, c'est encore un truc à... Putain, mais j'ai 3-4 trucs à ramener au médecin, là. Le poulet, là, on est bien. Merci Corvus pour le sub. Oh oui. Ah mais en plus oui, c'est le retour à la maison, non? Ça y ressemble. Si, c'est le retour à la maison. Oh c'est incroyable. Le retour à la maison. Ok, ça c'est les salles de... Ok putain, dès le début il y avait une TP, ou bien c'est là. Un bouquet le thym, ah toujours plus d'épices. Ah et là c'est vraiment le début, ok nice. Et du coup c'est là où je peux prendre mes niveaux. Mais c'est quand que je vais avoir le 2? Ah bah voilà, appuyer sur B pour asséner une attaque à longue distance. Bon il y a plein de trucs, on va pas tout spoiler. Technique sacrée qui permet au porteur de mea culpa d'utiliser sa lame pour bénir son propre sang et en faire une arme de jet. Mais c'est quand? C'est quand que je l'aurai? Est-ce que c'est en débloquant tout? Eh bien, pas du tout. Alors, fais voir. Hein? Ah, il faut taper quelqu'un pour voir le combo. Ok. Et pareil, après une esquive. Ah! Mais on peut le faire en arrière? Parce que si c'est qu'en avant, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est très joli, mais... Après deux visages... Ouais, à mon avis, ouais. C'est l'avancement. Ah oui, alors tenez, j'ai plein de trucs pour vous, là. I have so many things! Par rapport à Hollow Knight, c'est comment niveau difficulté? Pour l'instant, c'est assez simple, pour être très honnête. C'est certes, il y a plein de trucs qui nous one-shot. Mais les boss, ça n'a pas été si dur que ça. Mais c'est le début. Et ça se trouve, après, il y a un mode hardcore, etc., etc. Ah voilà, je donne un bouquet de romarin. Et qu'est-ce qu'on me donne? Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. N'étoffe de lin. Mais encore. Merciful. Des larmes d'expiation. Bon, ok, on va pouvoir enchaîner. Hein. Oh, j'obtiens tant de choses. Merciful. Ah, mais des larmes d'expiation, c'est juste de l'XP en fait. Merciful. Ok, le premier truc m'a donné un truc. The miracle is taking us away. Mais elles sont où les larmes d'expiation là? Que j'ai prises. Ah oui, 4626 en effet. Un chiffon inutile qui semble parfois vibrer et émettre un bourdonnement inintelligible. L'affliction laisse parfois sa marque sur les objets ordinaires, incapable de révéler le miracle sous son voile de corruption. Attendez, c'est pour voir les passages secrets? Non, pas du tout. À vibrer. Genre là, ça fait vibrer la manette? Sur des objets ordinaires. C'est le Saint-Suaire, c'est ça. Oui, en effet, j'ai la clef. Petit coup ici.
C'était où d'ailleurs cette... C'était genre à gauche. Pourquoi il y a pas... Pourquoi je la vois pas cette porte sur la carte? Est-ce que c'était avant la ville? Non, c'était pas la fontaine. Ah si? Ah oui, d'accord. On avait vu ça? This place is another dream, okay. Penitent one. They believe me as worthy of devotions, and the only thing I granted was the saltpeter that runs through the Stark land and rises through our bodies. Ah, bel accent. The punishment of the miracle for the false idol is to grant them false holiness. Do not try to obtain my name, for it is also covered in salt. PJ Salt! Bring me anything that can be blessed, so you might crush this fate of mine and let me cross to the other side of this false dream. C'est ce que j'allais dire. Tiens, prends mon mouchoir dégueulasse. Behold the linen cloth that soaks the sweat of fevers, of thoughts, of dreamt sins. A tool that obtains secret and forbidden confessions, even from those who already departed to the other side of the dream. In the name of the High Wills, I bless this relic. Watch over it, for it is now pure and sacred. Incroyable. Le linceul des péchés onériques. Équipez-vous de reliques. Ah, c'est la première. Pour changer votre perception du monde, chaque relique possède des effets uniques et différents. Jusqu'à 3 reliques peuvent être équipées. J'ai autre chose à lui donner ? Pas du tout. Et donc, un tissu jaunâtre, témoin de confession fébrile. Il tremble encore devant les âmes torturées et permet d'écouter ceux qui n'ont plus de voix. Ah, vous voulez dire toutes les personnes que je torture qui sont sur des poteaux ? Peut-être autre chose. Okay. Ah, j'ai peut-être pouvoir parler à ceux de la cloche, là. La clef tout à gauche, oui. Là, j'ai pas besoin, c'est juste le point de sauvegarde. Quoi, là? Putain, avec les sbires, quoi. Alors, attendez, 1, 2, hop. Merde, attends, je vais avoir le finisher, là. Waouh! Incroyable! Mais est-ce que je gagne de la vie? Non! C'est juste pour dire que je l'ai fait, quoi. C'est pour voir les finishers. Il y a peut-être un achievement, voir tous les finishers. 1, 2. Idiot, je suis là. Parade! Paf! Ah, non. Je l'ai sous-estimé. Oh! Ah, la moule! Je l'aurais jamais trouvé autrement. Ok. Ok. Ben, ça continue en plus. Mais ça, je peux pas. Ah oui, à moins d'avoir un moyen de rebondir sur eux, je peux pas y aller. Putain, y'a un trésor. Je prends cher en tout cas. Là, y'a pas moyen de glitcher. Il aurait fallu un objet en haut. Ah oui, ça, c'est vrai, putain. Je continue à tabasser, alors que ça se trouve, je peux leur parler. Tous les ossements que je trouve, il faut que j'aille à la salle des subs. À mon avis, je vais avoir des récompenses quand je vais les donner. Merde, mais pourquoi
C'est bizarre la fatalité, parce que là, 1, ça marche pas, et là, 2, et ça, et il le tue direct. Je sais pas comment je l'ai eu tout à l'heure. Ça doit être random peut-être. Je vais le faire même si j'ai pas vraiment envie de sauvegarder là, mais on sait jamais, on va peut-être derrière la porte avoir un boss monstrueux. Alors. Yes. C'est quoi le bail ? Vous avez acquis le sang perpétué dans le sable. Ah mais c'est une relique encore. Ah le timing est bien prévu. Du sang préservé aux propriétés miraculeuses. Avec le trépas de son porteur, de nouvelles corniches sont révélées. Auparavant invisibles. Le miracle est véritablement indicible et nul ne connaît le gène du sang qui bouillonne autour des pieds de son porteur. Ah bah c'est oui d'accord, ce que je viens de trouver avec ça, j'aurais pu le trouver tout seul. C'est pour voir les... C'est bien ça, hein. Pour voir les passages en bas. Ah, les poussières rouges de mort, oui. Ah mais je suis que là, mais il y avait quoi d'autre avant? Ça c'est le début du jeu. Je suis jamais allé à gauche, c'est ça. Je vais pas m'énerver. C'est tout le tuto, non, on a tout fait, hein. Oui, bah oui, ok. Il y avait rien d'autre, il y a rien de caché. Parce qu'à Hollow Knight, si on vient à gauche du tuto, il y a énormément de choses. Une plateforme trop haute. Ah oui, il y avait peut-être ça. Du coup, bon jeu. Si, hein. Pour l'instant, c'est très prometteur. On va juste avancer, mais là la VOD elle fait déjà 1h20, je commence à fatiguer. Et surtout, je dois être au taquet relativement tôt demain, on va peut-être pousser encore un peu. Ah oui, mais faut que je cut mes vidéos de Céleste pour en faire des vidéos de 5 minutes. Et ça prend 4 heures. Faut que je fasse mon top 5 de ces morts. Sponsorisé par Red Shadow Legends. Oui voilà, je vais retourner là où on a eu le passage secret de mort là. Ah, attendez. Ah bah tiens. Ok, ah non, on les voit n'importe où en fait. Énorme. Mais ma question c'est, est-ce qu'elles existaient sans... Ah non, peut-être pas. Non. Ok. Une sphère couverte d'un vernis jaune, hein. La peinture écaillée trahit son origine, du chêne vert, de la forêt de la ligne sainte. Il peut permettre de récupérer de la santé lorsqu'on détruit les objets aux alentours. Attendez, j'avais pas un truc exactement pareil? Ah si, c'est la... C'est ce que me vendait la marchande, non? Attendez, c'était où? Non, c'est là-bas. Ah, le voilà mon quatrième combo. Ah, la même avec la mana, oui, c'est ça. Alors, est-ce que maintenant... Ah, mais du coup, j'aurais dû utiliser ça pour avoir le truc que j'ai arnaqué, là, tout à l'heure. Ah, mais je peux quand même pas y aller? C'est pas banal? Ah, parce qu'il saute quand même, il fait quand même des sauts de merde. Pas moyen de faire un meilleur saut que ça. Hélas. Ne peut pas te faire un rapport de bug au support du jeu pour prévenir du glitch possible. Mais non, ça va pas, non? Et le speedrun alors? Je crois qu'on n'a pas besoin pour le speedrun. Mais les glitchs, c'est la vie. C'est important les glitchs. Quand ils sont pas game breaking, faut les laisser. Pas pourquoi je les tue, parce que eux pour le coup on s'en fout vraiment quoi.
Il a quoi sur la tête, mon chevalier? Un joli chapeau. Il a fait des trucs bizarres d'ailleurs, hein. Il s'en est servi quand même au début comme espèce de... Il s'en est servi un petit peu comme un... comme vague cup. Comme vague cup. Une monstru cup. Attendez, là il y avait un... Bah justement... Ah, lui là. Ah, je peux parler moi. Qui sont ces petits êtres qui semblent se cacher dans les plafonds, parmi les ornements des hôtels? Lorsque je les appelle, ils ne semblent pas m'écouter. Ils sont couverts de rubans qui donnent l'impression de volter dans un vent imperceptible, invisible et constant. Parfois je les entends pleurer et parfois rire. Qu'êtes-vous aux créatures à la grâce divine? Et tu veux pas m'aider à aller en haut? J'ai le TP, oui c'est vrai. Eh non oui, pourquoi je vais par là? À quoi que j'ai des trucs que j'ai pas visités, hein, même par là. Non mais attendez, et elle était où la salle des subs? On est bien d'accord qu'elle est au village. I need the salle des subs. Ça c'est la sortie d'en haut. Hop là. Allons-y. En bas à droite, ouais. Oh là là, j'ai récupéré tellement d'os. Ah mais ça va me faire mal au cœur de filer mon os de Carlos le bourreau. Qui a pas voulu tuer le chien. Ici. Oh, je gagne rien, putain, c'est de l'habit en bois. Je vais gagner quelque chose quand j'aurai mis la moitié ou tout. Je suis jamais allé à droite. Pourtant, on connaît ça. Ah, mais si j'ai pas ouvert le passage, y'aura rien, non? Ouais mais donc le linceul, enfin les plateformes rouges c'est très cool mais ça m'indique pas les murs à casser, il va quand même falloir continuer à casser des murs. Et toi je peux te parler? Non voilà eux. Eux ils servent à rien à part se faire casser la gueule. Mais attendez, mais pourquoi je vais là? Alors que j'ai une TP, j'ai une cloche à aller voir, j'ai un boss à tuer. Si vous avez l'info, dites-moi. Ah oui, mais attendez, faut que j'y fasse le super dash. Tombe. Ah d'accord. C'est juste pour voir que c'était de la base. Eh bien, superbe. Oh non, en vrai, je vais retourner. Je vais retourner. Karim Ziani, merci DK Sword pour le sub tier 3 et Cosmos pour les deux siècles. Incroyable. Le générique du dessin animé de Carlos. Ah, lequel? Albert? T'as le bonjour d'Albert, le gros bébé. Attention, hein, ça c'est... hein, c'est du dark knowledge. Hein. Ah, salut Yuna. Merde. Ah oui, boula boula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Putain, là je le passerai bien, mais je suis sûr qu'on va se faire strike. Maintenant on se fait strike pour n'importe quoi. Avant on pouvait boire, rouler vite. Mais je me suis pas téléporté. Ok. Mais voyager que je t'ai dit, connerie. Attendez, mais... il me prank? Quoi? Ah oui, non, c'est la confrérie, oui, autant pour moi. Autant pour moi. J'ai confondu. Pour moi, la confrérie, c'était le début. My bad, my bad. C'était là, non, ou... Ah mais non. Là, je visite encore des trucs qui ont rien à voir. Toujours plus. Bah c'est bien.
Ah mais je peux te parler? Non. Eh ben Nick. Toi j'ai un truc pour parler aux morts. Et là y a pas de cire à récupérer parce que j'avais la cire rouge. Mais c'est un miracle cette histoire. Et en bas je suis pas allé. Je pouvais pas ou... Qu'est-ce qui a fait que... Putain y avait ça. Énorme. Il y avait le truc pour level up. Ah d'accord. Et je gagne de la vertu quand je check une de ces merdes. Donc, un pénitent porte une attaque de taille verticale pour conclure son combo. Ah d'accord. Appuyez sur O et X après un combo de 3 attaques réussies. Toujours plus. 7000. Et ça, ça me donne l'attaque à distance, et ça pour trop cher. Ah non, 2300, perfectionne la technique de fente et exploite encore mieux l'élan de l'esquive pour porter plus loin encore. Ah oui, ça c'est l'attaque après esquive, dont je doute. De l'efficacité. Ah non, faut laisser appuyer. Ah mais c'est toujours devant quoi qu'il arrive. Ah oui, non, ça je fais faux, faut que je fasse un vrai combo. 1, 2, 3. Ah oui, il attaque à distance donc, paf. Oh. Ah ouais, mais ça utilise masse mana. Évidemment. Et je peux le balancer en haut? Absolument pas. Sonic Boom, Sonic Boom. Énorme. Sonic Boom dans ton cul! Bitter moments reunite us again, penitent one. An insurmountable wall seemeth to interpose itself between our feet. Un petit boss là pour conclure. Will there ever be a blessing that save us from this sorrow? Oh. Hein? Mais c'est pas normal ça. Sonic Boom! Merde alors! Il est pétable mais pas comme ça! Oh! Où suis-je? Au secours! Oh là là! Oh. Petite salle des pièges! Ça, ça s'écroule sûrement! Ok, c'est un challenge. Évidemment. Le con! Alors voilà ce que j'adore. C'est que si on veut sauter au bout de la plateforme, en fait, on saute pas au bout de la plateforme et on tombe comme une merde. Mais du coup, on a envie quand même de sauter. C'est ce qu'on appelle le syndrome Megaman. On a envie de sauter au bout de la plateforme, mais on prend le risque de pas sauter. Je suis deg. J'aime bien ça en plus. Ça me rappelle les challenges d'Hollow Knight. J'aime bien ce genre de salle. Merde! On aura toujours pas tapé la cloche. Non, mais pas de soucis. Moi, j'y retourne. Aïe, aïe, aïe. Là. Charge pour briser le mur. Ah ça par contre merci parce que oui si ça se trouve ça marche. À mon avis. Oh comment j'ai fait ça? On a même pas vu l'animation de chopage de corniche et j'ai fait un double saut. Eh peut-être moyen d'initier un double saut près d'une corniche. J'ai trouvé plein de bugs. Ah non c'était bien pensé. Peut-être derrière le dash. Il veut pas. Sur une courte distance, il veut pas. Ok, ok. J'ai mon fantôme là-bas en plus. Oh là là. Ah oui, mais comment je vais récupérer mon fantôme sur une plateforme friable? Ma vie est dégueulasse. Ah cool. Ça
Ça, c'est ma spécialité, hein. C'est la spéciale. Ah! Ah oui d'accord, en fait je croyais que j'allais me prendre la tête sur le plafond mais pas du tout. Donc en fait il y avait pas le stress que je m'étais infligé n'était pas nécessaire. Premier, hein. Le métatarse de Ricusio le voyageur. Je suis solidaire avec Ricusio, m'étant moi-même fracturé le cinquième métatarse. Et j'atterris ailleurs ? Mais j'y paie tellement paix. Parler au vieux, c'est vrai. I'm not worthy of thine infinite I will pray for thee. Now my feet are marching towards holy prohibitions. How can a simple pilgrim advance through such fortification? O fraternal father, O master of pilgrims, how arduous are your upcoming trials? En effet, c'était worse. Alors attendez. Et là. Oh! Mais là, c'est bon. J'ai pas besoin. Eh oui. Je n'ai pas de culpabilité. J'ai aucune honte non plus. Ok. Insane. On m'ôtera pas de la tête que c'est Peter Dinklage qui double le vieux. Ah, je sais pas. Ce serait étonnant. Quoique maintenant, on sait jamais. Hein. C'est l'avantage. C'est une des belles choses qui s'est passée avec Kickstarter. C'est que bon, en général, les gens ils demandent, ils envoient un mail quoi. J'envoie un mail à Peter. Ça va, Peter bon, si je veux faire une alerte de sub où tu dis allez tous vous. allez tous vous faire voir, voilà. Allez bouffer des culs. Ça coûte combien? Et là, Peter, il me dit via son agent, it is $50,000. Ne me reste plus derrière qu'à lancer un Kickstarter en vous disant incroyable Kickstarter où voilà, pour 50 000 euros, on augmente la qualité du stream et on refait les layouts. Il n'y a rien de... Enfin, je trouve que c'est normal, il n'y a rien de honteux. Mais je peux mettre en extend goal si on obtient... Alors évidemment, 120 000 euros, parce que ça coûte 50 000 euros, mais ensuite il y a 20 000 euros de frais de logistique, ce qu'on appelle les frais de logistique dans le milieu. Et ben je vous dis, et bien ça sera en plus Peter Dinklage qui doublera les alertes. C'est comme ça que ça marche le Kickstarter business. Ok, c'est honteux. Merci DK Sword qui a offert un sub. Les frais de bouche. Les fameux frais de bouche. Tout à fait. Je crois qu'on a affaire à des connaisseurs. Des connaisseurs. Ah, je peux faire ça donc. Mais. Laissez-moi faire ça, putain! Je veux utiliser ce qu'ils m'ont donné là. Soi-disant que c'est génial, j'ai mis 5000 points dedans. Et en fait, c'est de la grosse merdasse. Merci beaucoup pour le power-up. Ah non, j'ai pas envie de revoir les mecs du bouclier, hein, par contre. Ça, jamais.
Oh mais merde, là j'ai pris des dégâts inutiles. Mais c'est... j'ai trouvé une salle de boss, mais j'ai pas trouvé la salle de sauvegarde. Ah si, on avait le shortcut sauvegarde, ok. Mais la salle de la cloche, elle était où? Je m'en souviens pas du tout, moi. Aïe. Vous inquiétez pas, je gère. C'est faux. Le boule magique avec la voix de Kratos. Boy. Boy. Avec, zut. Stargate aussi. Merde, comment il s'appelle déjà? Ah! Judge, Christopher Judge, c'est bon, je l'ai. Alors. Et Tilk, oui, bien sûr, dans Stargate. J'avoue que Stargate, moi, j'ai très peu suivi. Je suis ignorant, un peu comme Star Trek. Ignorant sur ce genre de lore. Faudrait peut-être que je regarde. Si on fait un jeu de rôle science-fiction. Faut que je reprenne ma lecture du bouquin. Faudrait que je retourne chez LDLC. Non, je dis ça parce que... Moi, c'est dans les trains. Moi, c'est dans les trains, j'adore défoncer. Je lis des bouquins dans les trains. Sinon, chez moi, j'arrive pas à lire. Donc faudrait que je prenne le train tous les jours, quoi. C'est quoi le JDR du coup? C'est Webedia Stories. Vous jouez un influenceur poursuivi par des commerciaux qui essayent de vendre votre cul à tous les passants pour 2€ en prenant une marge de 3000€. Ok, alors attendez. Extrêmement stressant comme jeu. Vous avez des points de santé mentale. C'est un peu comme Cthulhu. Attendez. Ok, on n'a pas fait cette salle, on va la faire. Oh là là, c'est de la merde. Ah zut, faut que je fasse mon super coup. 1, 2, 3, vers le haut. Et... ah, c'est ça, ok. Putain, j'ai déjà perdu la moitié de ma life, je suis au bout. Je suis au bout. Hein? Ah ça je peux pas. Ok. Je peux officiellement pas. Il me faut le pouvoir pour utiliser ces merdes là, ces espèces de lianes qu'on voit près de lui. Donc ça va être bientôt, peut-être avec la cloche. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ces lianes intrigantes, ces lianes folie. Et j'ai vu un message de Ben, j'espère que je suis pas en just chatting. Ah, t'as 14 heures d'avion soon, tu vas pouvoir lire. Ah oui c'est vrai. Putain. Alors, putain, on m'a... Oh là là, faudra que je te raconte. Non, parce que pendant les Twitch Rivals, on va jouer à... On va jouer à des jeux. Où je ne peux rien dire encore. Et il y a l'éditeur du jeu qui... Non, mais ça, c'est les Américains. Qui m'envoie un mail en mode... Mais juste avant que vous fassiez les Twitch Rivals, vous voudriez pas passer sur notre stand pour vendre votre cul de manière gratuite? Et puis ça vous ferait de la pub. Et là je vais leur répondre en mode no thank you for the sausage dans le fion, but I don't have an English speaking audience anymore, I don't give a fuck, kindly Mr. MV. Ok, alors bon, dans l'ensoir, je suis chaud et mon comptable également. Non, non, mais oui, bon, dans l'ensoir, je suis chaud et de toute façon, on a signé plein d'OP, donc c'est génial. Ok. Excusez-nous en tout cas si vous nous regardez, on vous aime, bien sûr. Ok. Alors. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça pue le boss fight. Bon, j'ai déjà perdu plein de vie, j'adore ma vie. C'est faux. Et ok. Ah oui, j'ai ça, oui, on s'en fout. And I got the power. C'est quoi que j'ai pris? Réduit le temps de recharge de l'esquive. C'est vrai. Augmente mes défenses légèrement. Dac, Et en pouvoir, j'ai pris quoi?
Ok, j'ai pris la vitesse d'attaque. C'est plus de boss fight, quel enfer. Ah non, pas du tout en fait. Ah d'accord, ok. Il faut quitter. Attendez, mais c'est... Hein ? Mais d'accord. Mais... Il y a tellement de latence. Est-ce que je suis pas censé être vénère au bout d'un moment ? Il a pas compris, il faut que tout soit en mouvement et que je les synchronise après. Attendez, je veux juste voir s'il y a pas moyen d'arnaquer le game. Si, il y a moyen d'arnaquer le game. C'est parce que vous avez pas confiance. Ou vous avez perdu votre âme d'enfant. Non, c'est de la merde, évidemment que c'est de la merde. Donc oui, et là, le deuxième, je le stoppe. Non, mais non, mais Nick. Mais bordel de bite. Oui, celui-là. Ah non, mais d'accord, mais c'est forcément tout le temps de la merde. C'est forcément ma vie, c'est de la merde. Ok, donc tout ce qui m'intéresse au début, c'est celui du milieu. Ok. Ok, non, mais. Vous inquiétez pas, je vous adore, vous êtes mes petites fleurs. Mes petites fleurs, hein, mes petites fleurs qu'on a envie de buter de nez. Non, c'est nul. C'est officiellement nul. Mais ça a pas besoin d'être en mouvement. On est bien d'accord que si c'est au milieu, ça va marcher. Lis pas le chat, ça spoil. Non mais évidemment. Évidemment que lire le chat, ça a toujours été une erreur. Parce que là, hein, vous inquiétez pas qu'à la TwitchCon, vous allez les voir les gens. Amazing, make sure to interact with the chat, answer, reply to all the stalkers on Instagram. C'est faux, c'est faux. Pour répondre à personne, hein. On ferme les clés. Hein. On ferme la porte à clé, on répond à personne. Hein. On prend l'argent et on se casse. Hein. Mais je vous aime, hein, bien sûr. Vous êtes mes petites chrysalides. Petites chrysalides. Ok. Bon. Non mais attendez. Ok. Non, je suis en train de faire la merde. Je le sens. Je le sais. J'ai pas besoin que vous me le disiez. Je vois pertinemment que ce que je fais est dégueulasse. Non, je suis un dieu, voilà, mais j'avais compris dès le début, alors fait peut-être un bordel de merde. Le nœud. Ah oui ! Ah ça c'est très important ! Ah mais faut que je l'utilise quelque part, c'est ça ? Parce que le nœud de la corde du rosaire, c'est pour me permettre d'avoir un troisième slot. Mais qui c'est qui va me le nouer, la nouer ? Aïe, 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 aïe. Peut-être mes petits bourrinets, mais c'est ça, exactement. Ah oui, la cloche, bien sûr. Ça me revient. Ouais, ça me fait chier. Mais pas du tout. Ok. J'ai fait une connerie. Non, il y avait des pics en bas. Je sais plus. Où est-ce que je veux aller ? C'est là. Pour descendre, c'est là. Remplir le flacon biliaire vide contre 500. Ah, pour 500 balles, je remplis ma fiole. Récupérer de la santé contre 500, mais non. Mais ok, c'est bon de le savoir. Et là, au milieu, il y avait quoi ? Je me souviens de rien, je suis trop occupé à communier avec vous, à passer de si bons moments de gaming et de gamers.
Paye les 500. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire ça si j'ai un boss à venir. Oh non, pas cette salle. Tout, mais pas cette salle. Tout, mais pas ça. Fais-le. Ah, parce que si je le fais, il va y avoir un truc. C'est ça? Ah! Attendez, vous pensez que ça va me permettre d'utiliser ma troisième fiole? Oh! J'oublie qu'il saute comme... comme une merde. Non mais c'est incroyable, c'est le FC Retraite son saut quoi. Voilà. Hop. Alors. Putain, c'est reparti pour la merde en barquette. Là, si je passe là et au milieu, il y a quoi? Je peux pas, je pouvais pas. Ah si, maintenant j'ai ça. Ok. Ah mais du coup, je vais pouvoir ouvrir ce putain de raccourci et récupérer tout de suite mes âmes. GG. Petit rire nerveux. Et là je meurs ici. Ah si, il y a Yoon pour ce. Et à droite on connaît aussi visiblement. Mais avant on ne pouvait pas passer. Donc il y a quoi à droite? Si, un raccourci. Yes. Hein? Ah oui. Non merde, quel con. Ok. Ok, got it. Ah mais c'est trop chiant, des fois ça s'arrête. Oh, c'est de la merde. Ça c'est nul. Ok. La fiole. Ah, vous persistez, signer que je dois aller faire la fiole. Mais moi, mais non, mais moi ce que je me dis c'est qu'elle elle voulait me remplir la fiole. Parce que tout à l'heure j'avais une fiole que j'avais utilisée, une fiole vide. Une fiole à sec plutôt. Oh là là, mais... 100% vous dites de la merde, hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable cette faculté que vous avez à toujours vous renouveler pour dire de la merde en barquette. Ok. Bon, attendez, j'y vais. Non, parce que c'est vrai que ça m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve? C'est que depuis tout à l'heure, j'ai une fiole là. J'ai des flacons de bile vide. Des fontaines de deuil. Ah non, mais attendez, c'est pas du tout. Mais je sais même pas parce que je vois pas, j'ai pas le glossaire. Mais non, mais c'est forcément, vous me dites forcément de l'habit en bois. Non mais c'est, non mais c'est bon. Ça n'a aucun sens. C'est juste impossible. Si MV c'est pour les remplir. Ah vous m'avez spoilé alors. Ah c'est ça les fontaines. Ah oui, quoi que ça a du sens. Ouais je suis con. Les fontaines de deuil. Est-ce que c'est les fontaines de deuil? Ah bah si c'est ça. C'est bien le gémissement. Il émane des profondeurs. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. En son propre écho s'est défendu le cri de trois gorges jointes nées d'une même pénitence, d'un même deuil. La lumière y parvient rarement, rien que le froid et le gémissement.
Putain, alors attention, hein. YouTube, je tiens à m'excuser, c'est pour la commu. Ce qu'on va faire, c'est pour la commu. Non, vous m'avez full spoil. Beaucoup de gens ont l'air de valider cette information. Ah mais si j'ai 4 fioles, je vais être invincible. C'est faux. Ah oui, non mais attendez. Vous le savez, je suis un gamer, regardez. Technique de gamer. Okay. Mais c'était où déjà sa mère? Ouais, c'est là. Impressionnant! Bravo le chat. Je n'ai jamais douté. Hein. Jamais douté. C'était cher, pas tant que ça. Hein. Pour ce que ça apporte. Hein. Pour tout le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette... Oh non. Ah non mais non non. Tout le monde déteste ces bossus là qu'on a. Ah oui bah oui bien sûr. Dans Castlevania. Ok pour l'instant je me fais full toucher par tout le monde. Ah. Oh la range parfaite. Chez. Un boss peut-être un jour. Oui, mon attaque à distance que je dis jamais. Boss. Non. C'est quoi le bail? Y'a du poison, y'a du poison qui arrive là. Oui c'est vrai que si je les chain défonce, y'a pas de problème. Sérieux? Mais il y a le retour du poison de ses mains. Ah oui d'accord mais... Il passe, il vient, il s'en va. Non, le poison de ses mains. Alright. Incroyable. Mais j'ai pas de péché. Enfin, j'ai pas de machin. De culpabilité. Peut-être pas faire ça. Je voulais voir s'il y avait derrière lui un passage éventuel. Mais casser la statue, à mon avis, plan Q of the year. On essaiera plus tard. Merde, 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 c'est chiant ça. J'avais un truc pour moins souffrir du poison. Mettre le truc pour moins souffrir du poison, là, les toxines. Ça
soit moins vénère. Quoi, j'ai tellement peu de vie, c'est pas le meilleur plan. C'est pas la meilleure idée du monde, mais j'y crois. Ok. Venez alors, venez d'abord. Quel con, mais quel con. Mais putain! Bah génial, j'ai pris tellement cher. Est-ce que je peux atteindre? J'y vais. Je m'excuse auprès de toute ma commu. C'était une mauvaise idée. Attends, ils vont mettre... Mon fantôme, ils vont me le remettre en haut, ils sont pas stupides. J'avais jamais à me les taper quoi. C'est moi qui me suis infligé ça. Et bah c'est bien un plan cul ça. Quoi, ils m'ont mis à la culpé. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est ignoble, c'est stupide. C'est stupide de la remettre en bas. Et putain, et j'ai ramené un de ces beaux sud de mort en bas. Mais non, mais sale con. Ça va, le poison me fait... Le poison en lui-même me fait pas perdre grand-chose. C'est les idiots. Tu veux la boire, ta merde? Mais qu'est-ce qui se... Ah non, ça m'empêche de sauter là, en fait. Ok, d'accord. Ça me fait tomber des plateformes. Eh bah, super. Là j'ai... Non, là je suis obligé... Hein? Idiot. Mais c'est chiant. Mais c'est... Hein? Attendez. La parade, c'est forcément la parade. Y'a rien d'autre en fait. Parce que là, j'ai aucune ouverture si je le fais normal. Putain, je pensais pouvoir passer. Vous remarquerez comment j'ai envie de jouer au jeu là, hein. J'ai pas du tout envie de tracer pour voir le boss. Non mais là je fais de la merde, non mais là c'est honteux. Là faudrait que je remonte tellement j'ai perdu trop de vie en faisant le kekos. C'est pas grave. Attaque vers le bas, non mais l'attaque vers le bas... Ouais. Merci à tous. Ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah c'est génial, mais dash pas surtout, sac à merde. Et je vais encore arriver avec zéro vie. Merci à tous. Ah mais ça m'en donne de la vie de prendre la statue, un peu. Ok.
C'est parti, je vais parer. Ouais, forcément, mais oui, forcément. Par contre, quand elles seront deux, c'est pas la même. Faudra esquiver la première attaque. Ok, comme ça. Ah, elles vont tous se mettre, elles vont spawner toujours ensemble. Oh oui, la double, la doublette. Je l'ai vu, putain, je l'ai vu après, c'était salaud ça. Évidemment, évidemment que je le fais comme ça. Sonic Boom, dégager des ressources, oui bon d'accord. Qu'est-ce que ça représente vraiment en termes de puissance? Je suis pas deg. Peut-être en bas que j'aurais dû aller. J'en suis quand même convaincu. Attendez, maintenant elles sont vides ces Sam. Il respawn pas, ouais. Donc je vais quand même aller voir en bas avant de me taper le mini-boss de mort. Mais ils sont... Genre ! Pourquoi je fais ça? Mais au secours! Eh bah super! Tellement magique. J'ai l'impression que la parade marche pas pour tout. Alors, je vous le dis officiellement, le dash into coup d'épée, c'est l'upgrade la plus nulle du jeu. Ça n'a jamais fonctionné. Ok. Putain, mais je voulais arrêter la VOD, elle fait 2 heures déjà. Oh là là, ça y est. Putain, heureusement que je vais engager quelqu'un pour faire des super jump cuts et que les VOD durent 5 minutes. Hein. Parce que là, c'est intolérable. Hein. Oui, c'est vrai que les dégâts que ça fait, par contre, c'est... Ok, ok, non, mais mon arnaque, elle marche une fois sur 1000. Hein ? Quoi ? Attendez, j'appuie sur B pour balancer un Sonic Boom, et là, il récupère de la magie. C'est grâce à mon bol de sang, là ? Ça là, le sang perpétué sur le sable? Non, pas du tout. Sacrifice de sang pour mana. Mais comment j'ai fait ça? Ah oui, en laissant appuyer sur A. Eh ben, je le savais pas, maintenant je le sais. Mais c'est énorme. Enfin non. Mais je le sais.
perdre la vie, oui, bah je m'en doute. Mais putain, cette charge qui prend 55 ans. Ah, je perds de l'XP aussi. Je me disais que je perdais peu de vie pour tout le mana que ça me donnait. Non. Mais qu'est-ce qu'il... Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a à s'accrocher à tout? J'atterris sur l'autre connard. Il s'accroche partout, là. C'est... Il faut que j'aille chercher mon truc quand même. J'ai déjà plus de fiole. Ah non, 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 non. Deux secondes. Le drame absolu. Je veux que ça s'arrête. Ok, ok, le drame absolu. Tout ce que je devais pas faire, je l'ai fait. Incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah, attendez. Visiblement, j'ai affaire à un idiot doublé d'un agresseur. Il a essayé de m'assassiner avec son orthographe. Ok. Alors. Voilà. Alors. Hop là. Bon bah j'ai pas de vie. Mais à part ça, je reste positif. C'est un massacre. Je sais pas ce qui pourrait mal se passer. Si, c'est l'enfer. Faut que j'arrive à prendre mon fantôme avant de mourir. Tout de suite, une démo. Non, non, c'est impossible. Mais il... C'est abruti. Parce qu'en fait, quand je spamme le bouton, il considère que j'ai laissé appuyer. Donc là, j'ai un de vie. Et quoi, il y a une range limitée? Je suis obligé de m'approcher, mais si je m'approche trop... Ok. J'ai appuyé putain. Oui. Ok. Trois pièces d'or fondues en une masse informe dont l'éclat ne se ternit jamais. Mais de la baisse quand même, parce que je pouvais aller au-dessus, non? Oh, pas sûr. Non, on dirait pas. Oui, oui, si je veux récupérer. Mais en fait, le gars qui prie,
Je m'en fous un peu en vrai. Ça me permet d'avoir 3 jauges de mana. C'est sûr, mais je peux décider plus tard de venir récupérer mon fantôme. Enfin, je trouve pas que pour un fantôme, ça justifie de dépenser 500 balles. Ensuite, si je meurs 3 fois à 3 endroits imbitables, pourquoi pas, mais... On est bien d'accord que... Lui, je crois qu'on peut pas parade. Enfin, ça aurait aucun sens qu'on puisse parader. C'est forcément esquive ou dash, quoi. Parader, oui, ça m'amusait, mais... Visiblement. Excusez-moi, j'avais oublié qu'on pouvait pas s'amuser. Car vous êtes des gamers. Peut-être d'ailleurs, en parlant de d'utilisation du français. Pas mal ça. J'étais passé chez Seijouf l'autre soir et il y a un de ses modos. Ok. Faut que je me souvienne du nom. Mais putain, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est d'un chiant. Qui a codé un jeu où le chat Twitch peut participer. Et c'est un jeu d'assemblage de mots. Deviner des mots avec des lettres diverses et variées, mais interactifs. D'ailleurs, j'ai gagné la game. Jirasu, voilà, merci. J'ai gagné la game, j'étais unleashed. Car j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. Faudrait peut-être lui demander... Ou contacter juste des devs hein, pour faire des jeux de ce genre hein, avec la commu. J'avais failli le faire à un moment, c'était Flint Hook. Avant leur sortie, ils avaient codé un jeu et un questionnaire, un jeu à la qui veut gagner des millions, mais en plus simple avec des questions un peu à la con. Et tout le chat pouvait participer. Il y avait une interface complètement craquée en pixel art. Et ça, c'était un truc que je voulais faire à un moment, mais ça demande évidemment d'avoir du codeur vénère derrière. On fera le motus pour faire acrophobia. Merde, qu'est-ce que je fais ? Le seul problème de ces trucs-là, c'est comme d'habitude, hein. C'est qu'est-ce que les gens en font avec ? Est-ce que la chaîne se fait ban ? Qu'est-ce que les gens en font ? Qu'est-ce que les gens en font, putain ? Acrophobia, c'était le meilleur jeu. Ça demande un bon niveau. Non, mais c'est les joufs, il est français, hein, c'était en. Évidemment, ça, la parade, ça marche pas pour lui. Ça, je peux aller le chercher. Ou est-ce que ils vont m'empêcher de grimper à la corniche? La porte. Merde. Non, ça se trouve, je vais me faire baiser si je... Mais je l'aurai. Mais putain, cette manie qu'il a de s'accrocher comme un abrutix. Oh, j'y vais. Ok, c'est cool. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con ! Poumon argenté, figurez-vous. Ah, encore ?
Un organe préservé dans un argent étincelant et riche en filigrane. Le cardinal Dolfos fit fondre ses cuillères dans un pot pour échapper aux jalousies avec cette décoction argentine. Il protège son porteur des miasmes empoisonnés. Chez. Ah, chez. Ouais. Double chez, mais oh là là. Quel plaisir. Bah, je vais pouvoir maintenant aller chercher mon âme assez facilement. Enfin, mon fantôme. Enfin, mon truc, quoi. Par contre, la VOD elle fait 8 heures et j'ai toujours pas trouvé le boss. Un peu gênant. Mais ça veut dire que du coup, ce truc là, qui devait servir finalement pour autre chose. Je vais l'enlever, je vais remettre ça. Ah non, je veux pas le refaire. C'était super fun, mais. Ouais, c'était fun. Que je vais rechercher mon fantôme. Ah non. Oui, ok. Pour 500, je me disais que c'était au moins ça. Ok. Vous oint de l'huile des pèlerins. Je suis huilé. La quantité maximale de ferveur est augmentée. Incroyable. MP max up. C'est incroyable. Oh là là, c'est chiant. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut se oindre à toi, monsieur? Ah, bien heureuse de découvrir ta chaîne. Je suis une petite streameuse du Québec. T'es une bonne inspiration. Ah, merci beaucoup, Roxpop. Bienvenue. Je te conseille. J'espère que tu trouveras moult inspiration sur cette chaîne, notamment sur la gestion de la communauté. Moi aussi j'habite à Montréal. Sobernac Roxane 126. Oh là là. Je me demande quel est le ratio. On a ces stats là. Je sais pas si Ben est encore là. Parce que sur le site de Google, on peut voir tout, hein. On peut récupérer toutes les données des utilisateurs. Dans mon dashboard? Ah, dans mon dashboard, quoi, je vois? Je vois combien il y avait de gens de Belgique. Incroyable, attendez. Après l'info de chat, l'info Twitch. Attendez, je vais tout de suite observer dans mon dashboard. Mais c'est où ça? Il y a un nouveau truc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, il y a un Creator Camp. C'est pour apprendre à devenir meilleur streamer. Créer du lien avec vos spectateurs, mais qui a écrit ce ramassis de conneries? Pardon, excusez-moi. Je croyais que le micro était coupé. Alors. Bon, on verra ça après. C'est parti! Ah mais voilà! Ouh là là! Alors ça... Il y a une petite odeur, il y a un petit goût de merde et un petit goût de reviens-y en même temps. Petit boss.
Ah, putain, il me sort les stats. France. Do not be troubled by me or my outward appearance, now changed and seasoned. This might be a small price to pay for such joyous alliance. Attendez, c'est... Non, c'est quelqu'un d'autre ou c'est... Parce que j'ai vendu mon cul à quelqu'un plus tôt dans le jeu, là. France, 81%, Belgique, 6%, États-Unis 3%, Suisse, 2%, Canada, 2%. Ah, ça reste un petit pourcentage. Quoique, 2% de 6000 personnes, ça fait 120 personnes. Donc c'est pas dégueulasse. Ah oui, c'est même pas mal. Eh bien, bienvenue. Alors. Ok. Oui. My protection does not cease here. Will you require my assistance with you? Attendez, mais elle avait fait quoi pour nous? Parce qu'on lui a vendu notre cul. Mais j'ai pas souvenir de tout ce que ça a donné dans les fêtes. Vous pouvez me le dire, hein. Parce que là, je suis tellement fatigué que je sais plus. Elle a rien fait. Elle a fait un heal à un moment. Ah mais genre elle me heal maintenant. Parce que si elle me heal maintenant tout de suite, bon, c'est un heal gratos. My body is ready. Ah, quand t'es low, elle te heal, c'est une fée. So be it. Allez, je m'allie à Vieillas Woman. Ah oui, d'autant plus qu'il y a un boss qui arrive là. Enfin, je veux dire, c'est gros, c'est énorme. C'est énorme. Ça ne peut être que ça. Putain. Statue plus mémé. My body is ready. Oh là là, ouais. Ok. Ok, ouais. Ok. Pff, en vrai, l'attaque speed, je m'en sers pas. Mais c'est un peu nul, hein, ça, pour l'instant, les pouvoirs. Ça met trop de temps à se lancer, ça dure trop peu de temps. Ça peut être sympa s'il spamme la salle de merde. Ok, let's go. Des petites fantômettes. Yeah. Hey, merci mémé, y'a mémé, on voit mémé. Elles sont... Ok. D'accord, chiant. Bah, faut surtout les regarder, elles, en fait, hein. Ok, ça, on connaît. What? Oh là là, mais ça va tellement vite! Non, non, arrête, arrête! Je perds trop de temps, en fait. J'aurais dû bourrer toute ma vie. Mais ça te dérangerait de... Mon... Superbe. Oh, je suis mal. Je suis dans le mal. Oh là là, ça fait tellement mal, ça. Attention. Ah, et bah oui, forcément, la punition, si on est à droite ou à gauche, c'est la mort immédiate. Ok, y a pas d'histoire de fantôme ici. Et du coup la vieille, super. Fallait que je one try, quoi. Elle est plus là, hein, on l'a perdue. Ah non, elle est là. Okay. Putain, mais... Il les chope quand il veut aussi, ces putains de corniches. Faut que je bourre. En fait, elles ont aucune hitbox. Il y a que leurs armes qui ont une hitbox.
je termine mon quatrième coup par haut. Haut et coup. 1, 2, 3. C'est mieux quand on touche quelqu'un. Oh, j'ai pris tellement cher. 1, 2, 3. C'est chiant. Mais genre, elle la récupérait. Oh là là, je pensais que je... Douloureux. Je force à mort. C'est à toi de jouer. Elle était en train de le faire. Elle était en train de me heal, mais... Oh le dingue. Oh le con! Soigne-moi Micheline! Ah, j'ai vu mémé qui était comme ça en mode oui, je vais te soigner! Donc je me suis dit, ah cool, il y a une petite boule en bas, elle me lance un sort de soin. Ok, et en fait non, c'était le double pylône. Ok. Merci mamie en tout cas. Oh, c'est chiant là, son bout de corniche qui veut jamais. Ok, celle en haut à droite là. Celle en haut à droite, elle fait le sale bail. Ouf, j'ai de la... Oh, c'est infernal. Je les vois en plus, je sais qu'elles vont faire deux séries de deux. Mais elles ajustent vite et c'est lisible. Ça, ça fait vraiment mal. Attention, ouais. Mais putain. Au secours. Mais elle fait quoi mamie? Je la vois des fois, elle s'agite. Oh là là, mais c'est pas vrai, je reviens dessus à chaque fois. À chaque fois c'est un scandale. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Je déteste ma vie, je déteste ma vie, j'ai plus rien déjà. 100% je perds là. Y a même pas de doute en fait. C'est ça qui est terrible. Descends, fais quelque chose de ta vie. Mais putain! Mais bordel! Elle fait quoi? Merci mamie! Merci mamie, tu m'as soigné une fois dans ta life! Et c'est horrible, je vois jamais leur sort partir. Jamais. Mais juste jamais en fait. Mais oui, mais fallait... J'allais me faire brûler par les flammes. Ah non, mais putain. C'est génial. Mamie qui... Mamie qui prend le temps d'une incantation de sort de résurrection pour nous faire un soin des blessures légères. Ok.
Très bien, très bien. Et je me fais défoncer, hein. Putain, ça passe pas. Mais je le vois. Ok, putain, je peux les parer, évidemment, idiot. Ça, faut quand même les voir partir. Ah, il y a moyen de les retourner contre elle. Non, j'en demande peut-être trop, là. Greedy, j'ai voulu utiliser l'attaque speed. Oh putain, j'avais pas vu, au secours! Forcément, en parent, ça se passe mieux. Incroyable. Merci, mamie. Qui a rien fait. Ah, d'accord. La culpabilité est systématiquement expiée quand on bat un boss. Ok, c'est bien. C'est dingue, ce jeu, hein. Alors. Ah yes, bien entendu. Un autre visage. Putain, il est trop beau ce décor. Avec les petits parallaxes là. Scrolling différent. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle. May the gold in my visage melt and erase the contrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Incroyable. C'est quoi ? La marque laissée par le visage d'or qui révèle la pureté de contrition dans l'âme du pénitent. Le pénitent le passe. Trop bien. On peut quitter à n'importe quel moment. Attends, pourquoi à gauche c'est considéré comme non fait, non existant? Du lore. You have carried out the second. Ah, j'ai trouvé l'ATP. You have been allowed to meet the visage of contrition. You have yet to prostrate before one last holy visage. Ah voilà, une VOD de 2h30. Est-ce que ça serait pas raisonnable de la cuter, celle-là? C'est ça que je devrais demander à Oka Media, la boîte de pro. Pas les best-of. Oh putain, j'étais censé... Oh putain, il faut que je fasse le call Discord avec Need Backup. Je leur ai dit, revenez. Je leur ai dit, revenez, je vous paye 1000 balles. Bon, alors j'avais peut-être un peu bu parce que... un best-of, même s'il fait 1 million de vues, enfin, il rapportera jamais 1000 balles. Donc j'ai peut-être un peu bu quand j'ai dit que j'allais leur filer 1000 balles par best-of. Même si en vrai,
le travail le mérite. Parce qu'en nombre d'heures et le talent en plus impliqué, ça le mérite, et bien plus encore. Sauf que bon, sur YouTube, vous savez, les tarifs, c'est de la merde en barquette. C'est-à-dire que les gens se font exploiter, quoi. Mais les gens se font exploiter, mais c'est normal aussi. Parce que quand un YouTuber ou un streamer qui a 200 viewers a envie d'avoir des best-of, du coup, il appelle quelqu'un qui se dit « Cool, je vais pouvoir faire un truc pour un streamer YouTuber » et il accepte d'être payé 50 balles et un Mars dans le fion. Mais en vérité, c'est vraiment du sale taf, quoi. Enfin, c'est du gros taf. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet ascenseur ? Oh merde, il y avait une... J'ai vu, il y a une relique. Il y avait une relique. Il y avait un cupidon. Oh putain. J'ai failli hurler. Eh ben, je suis pas vénère. Non, ça va. Ah bah parfait. Ah oui, il faut surtout que je trouve le truc qui me permette d'avoir du mouvement libre dans la flotte. Bon, je fais juste un petit point... Oh non, 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 pas lui! Je veux juste retourner au village du début. Avant de quitter le jeu. Un code créateur, oui, Mister MV, tout simplement. Marcher sur l'eau comme Jesus, tout à fait. Hop, ma collection d'osselets. Nu à l'époque, c'est la farandole de Jeanne Calment. Hein. Et à l'époque, on jouait avec des osselets. C'était le l'époque. Alors. Non. Et vous dansez encore, Madame Jeanne ? The miracle. Ok, très bien. La farandole ! Ah putain, c'était tellement bien la farandole. On devrait peut-être se quitter sur la farandole de Jeanne Calment. My body is ready. Merci Iruko pour le sub. Et Amaras LGH. Et Sokushi. Et Linksys que j'ai sûrement oublié. Merci Will Smith qui nous a host pour 24 viewers. Aïe aïe aïe. Je suis tellement dans le gaz que j'ai même pas fait gaffe au host de Will. Des bisous Will si t'es encore dans le coin. Je crois qu'il y jouait aussi à ce jeu là. J'ai vu qu'il jouait à un jeu plus tôt. Un dé. C'était peut-être celui-là. Bref. Des bisous YouTube. Sur cette VOD de 2h40. C'est honteux. Je la couperai peut-être en deux. Hein. Au revoir.